Samedi 20 septembre 2019, c'est parti pour la cuisson du pain. La journée est magnifique. Alors Jean-Luc vient d'attaquer les pizzas. Toujours la propriété d'œil. La pâte à pizza qui lève. Les propriétaires au réveil. Les propriétaires au réveil. Les propriétaires au réveil. Alors, cuisson pizza en cours. Jean-Luc et Jean-Claude. Attends. Alors, on tourne la pizza. Feu. Opération pizza terminée. Le four est remis en chauffe. Début de l'opération pain. Donc il est 9h10. On met l'eau. Donc ça c'est la levure, hein. Ouais, diluée dans l'eau. Qui prépare avec la même farine, donc il rajoute du levain, préparé la veille. J'appelle le levain de base, mais il y a peut-être une autre appellation. Là c'est la farine avec de la levure. C'est pas du levain, c'est du polish. Ou polish. Pourquoi on appelle ça polish? Ça, oui, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle. Au brassage de la pâte, après l'ajout du sel. Alors le feu qui est bien étalé. On va laisser se détendre.
faire à la repétrie. La pâte est coupée en petits morceaux, des pâtons de 1 kg. Voilà, la mise en boule du pain avant la, avant qu'elle repose ou qu'il repose. Alors, l'arrivée du maître chanteur Jean-Noël, la mise en place du matériel de sonorisation. Toujours dynamique. Le façonnage. Oui, il y a une micro, ça. Le monde commence à arriver. Bon, fais gaffe à toi, ouais, parce que... Attention les enfants, restez pas ici, vous allez vous faire merde là. C'est spectaculaire là, ce qu'ils ont organisé, ce salon à ton, avec une tuyeuse, la batteuse. J'espère que si. Ça cuit ? Hein ? Il cuit ? Ah ouais, ça cuit. Il va être lourd, c'est comme ça. Il a pas assez levé. Montez la pelle à l'envers. Ah mais c'est toi qui l'as fait monter, hein. Hein? Mais il est lourd. Ouais, ouais, la mère l'a posé. Ouais, j'ai pas. En fait, c'est. Ouais, à toutes et à tous, amis du patrimoine et de la culture, un premier flash. Saint-Paul de Vars Culture. C'est 21 années de journée de patrimoine, débutée sous la municipalité de Francis Yaz en 1998. Le deuxième flash, Saint-Paul-de-Vars Culture, c'est 30 années d'actions culturelles diverses et variées. En témoignent ces petits feuillets qui sont ici et que vous pourrez consulter. Au nom de Nathalie et que je nommerai tout à l'heure, je vous souhaite la bienvenue dans cette ancienne belle ferme choyée par les propriétaires qui nous permet de célébrer Sa Majesté le Pin aujourd'hui. Pour la petite histoire, ça ne regarde que moi. C'est à cette ferme que je venais chercher, non pas le pain, mais le lait. Le lait frais, la couche de crème épaisse et le beurre que je fabriquais avec, le four, pour apporter le bois, pour faire maintes choses, et elles ont toujours été très, très généreuses dans leur accueil. Merci à vous toutes et tous présents à cette fête. Alors, Sandrine Martin-Grand, conseillère départementale, ne peut être présente, elle s'est excusée. Je pense que Madame Paramène ne vient pas en Saint-Pognard. Et merci bien sûr à l'équipe que j'aimerais voir autour de moi, parce que si Saint-Paul de la Sculpture existe, ben c'est pas que la présidente, mais c'est aussi, et j'aimerais bien qu'il soit présent ici, là, parce que le cadre est magnifique, la ferme est formidable, bien entretenue,
C'est super. Merci. Ça, c'est super. Voilà. Bonne continuation. Et puis, à la fin. Et pourtant, c'est bien. Ah, il achetait son petit pain au chocolat. Ya, 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 ya. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Ya, 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 ya. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Ya, 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 ya. Viendra chanter encore quand le vent soufflera sur la verte bruyère. Nous irons écouter la chanson des Médors. Nous irons écouter la chanson des Médors. Pour le mois, il n'avait plus la vie. De bois pour un pain était parti en refroidure vers les années 1920. 14 lui fit la vie dure, les morts n'ont pas besoin de pain. Forcé par la clé du destin, dans le hameau des retrouvances, on rallume le four à pain. Sonner les cornes d'avance, le rassemblement des copains, incinéré aux ordonnances, on rallume le four à pain. Un homme dont la rayonnance a résisté au sacristain, à quelques billes de distance, multipliez déjà le pain. Alors chantons les retrouvances dans le fond d'un petit jardin. Nous sommes. Je sais pas si vous avez remarqué, le pain c'est bon, mais quand on a un peu de confiture pour mettre dessus, c'est pas mal non plus. Hein? Voilà. Donc, je sais pas si vous vous souvenez des phrases. Voilà, on va chanter donc. La C'est assez remarquable, on a même réussi à l'éclairer, à faire la lumière qui tourne en haut. Donc voilà, et bientôt, quand les travaux de la rue de la République seront terminés, nous avons la façade des Halles.